Salutations YouTube, et il semblerait que Keeper ait été buff. On va faire un petit Delirium Hush, ça va être très impressionnant. Ah, la manette répond plus. Oh non, on retourne dans les vieux beaux. Ok. Ah oui, c'est vrai. Attends, mais il était up comment alors? Il peut avoir 3 HP? Bah, Jack... Non mais arrête avec ça là. Mais c'est chiant là, c'est chiant. Putain! Pardon. Il va plus vite, il peut avoir 3 HP. 3 P. Il y a 90. Better items. Ah lui il a pas les better items. Hein. Pas de panique, dans quelques instants, on joue au jeu. Regardez bien ce build très particulier que je vais vous proposer. Et le problème c'est que si je me fais toucher et que je prends une pièce, je me soigne mais je récupère pas la pièce. Non, je peux pas faire mon Keeper Revenge. Ah attendez, le starter Curse Room, il fait très peur mais regardez. Regardez bien, il va pas falloir cligner des yeux. Hein. Peut-être qu'il faut pas les regarder ces Curse Room, peut-être qu'on s'emmerde. Ah mais attendez! Sacrifice Room! Ah oui mais sauf que lui il a pas le Wooden Penny. Enfin personne ne l'a d'ailleurs. Enfin si il a le Wooden Penny mais il a pas le Swallow Penny. Faudrait le Swallow Penny. C'est pas chiant en tout cas. C'est insane ce qui va se passer. Insane. Oui, si on trouve plein de pièces à l'ancienne. Faut que je sacrifie ce combat. Et là, regardez, un better item déjà. Ouais, je veux un starter quand même pour Keeper. Soyons honnêtes.
Non mais, c'est même pas que je veux un starter, je veux un objet jouable. Il y avait un planétarium. Ah, je l'ai pas vu. Hein. Mais regardez, là j'ai Bob's Curse. Comment ça, il y avait un planétarium? Putain, 1%? Mais comment vous avez pu le voir? Vous l'avez vu derrière les fenêtres contrôleurs disconnected? Ah oui, il était en haut. C'est ça. Et on pouvait le voir que quand j'étais en train de reset. Donc de la merde. Ah, sur la map. Ah oui, regardons que la map. Bon, alors je reset jusqu'à ce que je trouve un planétarium. Excuse-nous, YouTube. Ah, pas mal. Le Doctus, là, ça va être incroyable. Je laisse ces pièces-là parce qu'il y a une salle de sacrifice, là. C'est éminent, vous allez voir. Ah, la secret est en bas. Olé. Oh là. Oh là, qu'est-ce. Mais j'ai pas utilisé mon Wooden Penny à chaque fois, espèce de clown. Sacrifice room là. Oh non, pas les mythes. Not the might. Ma salle de sacrifice, bruh. Tu nous emmerdes. J'ai dit quoi? Hush! Ah oui, il faut aller vite alors. Je peux pas du tout aller vite. Gotta go fast. Mais on va quand même farmer. Hein. On n'est pas des animaux quoi. C'est le minimum quand même. Mais du coup, je peux aller voir la Curse Room. Ah ouais. Ah ouais. Regardez bien. Merde, j'ai oublié. Je suis en bouffe. Petit pacte. Ah mais du coup, il achète ses Devil Deal. C'est bien ça, hein. C'est comme l'autre con. Ils nous refont pas le coup de... Faut investir des cœurs qu'on n'a pas. Ah, il achète ses Angel Items aussi, d'ailleurs. Oui, 15 pour les nuls, 30 pour les biens. Oh la sacrifice. Oh là là. Je ne réponds plus de rien. Ah il s'en donne pas la charge. Quelle bouffe. Sacrifice room sans pièces. Sage.
Le slip, quoi. Tristesse de cet objet. Faut que j'aille faire hush, mais j'ai comme une envie de farmer là. Ah merde, mais j'ai que 16 balles. Donc mon God Room il pure à la pure al sexe. Mais j'aurais dû laisser la pièce pour faire la sacrifice. Double slip. Ah mais God Room aussi tu payes. De souvenirs. Ah non, ils te font pas payer. Ok. Putain, j'aurais dû laisser la pièce de 5. Attendez, et en vrai... Je suis censé aller vite, mais quand même. Ensuite, il y a un monde où on fait Mother, hein, YOLO. Si j'ai un truc de malade et que j'arrive pas à aller vite. Oh, c'est la tristesse. Le jeu sous de ma gueule aussi. Le jeu me déteste, c'est ça le problème. Mais j'ai bombe infinie. Échelle de corde. Hein. Elle est à nous. Hein. Promis, je me dépêche. Attendez, il y a le Magic Mushroom là déjà. En quelques instants, je me dépêche. Ah oui, le Doc Chris, il y a une échelle. Je suis un bouffe. Bien vu. Vous êtes des gamers, moi. Ça se sent. Vous avez ça dans le sang. Hein. Ah mais je veux les deux. Comment on fait ? Minutes 49. Run Mother. Ah, il y a 30 balles de la sacrifice, c'est vrai ça. Pour vous que je fais ça. Peut-être être tendu pour Hush. Hein, là. On a tout essayé, mais. Ça va peut-être être tendu, quoi. Et là, le swallow de Penny. Ah, cool. Putain, j'étais blessed. Si je le faisais avant, ça se trouve, j'aurais eu la god. Attention, là c'est la moulasse.
67% de chance. 67% c'est 100%. Attention, le petit Angel Room là, item. T-Godhead, la Sacred Heart qui tombe sans presse. No presse. Ah non, c'est juste Angel Room Chance. Je suis méga blessed, mais ça sert à rien. Cousy Angel Room. Mais du coup, elle se serait transformée en Angel Room. Non, il va me transporter à la Devil et me foutre dans la merde. Insane. On est en train de vivre des choses. On est bien parti pour Hush, là. Le speedrun est total. C'est vrai que j'ai pas fait The Beast, quoi. On a le choix, hein. On pourrait prendre la stopwatch, hein. Ouais, on prend la stopwatch quoi qu'il arrive. La boussole est mieux, hein. La boussole m'aurait permis peut-être, si j'avais... si j'étais assez con pour me dire que je tentais quand même Hush, d'avoir le mapping. On va voir les deux, regardez. Tout est prévu ici, hein. Ah oui. La merde. ...9.34, on est large. Pourquoi je prends pas les pièces dans un sacrifice? Parce que je vais devoir faire un combat dedans. Et j'ai très peur, la France a peur. C'est le Soul Heart qui a popé. J'ai eu des mouches. Ensuite j'ai 5,88 de dégâts, donc là les mouches qui vont rusher l'ange, elles vont se mettre bien. Donc là on est les troll bombes next, c'est parti pour un aller-retour. Alors, on est super bien parti pour rush. Non mais du coup... Bon, The Beast ou Mother alors? Je suis pas confiant sur les deux. Hein. Sur les deux je vais me faire rincer le cul, hein. Il a pas de HP, je le déteste. Ah, j'ai pas envie d'appuyer sur le bouton, je vais me faire BZ. Ah mais du coup j'ai pas eu l'objet... Oui j'ai pas eu d'objet God. Je me suis bien fait baiser, on a perdu du temps pour rien et j'aurais pas ma boussole. Sauf si là je fais spawner 30 gold après l'ange. Sauf que ça va pas être ça, ça va être les Soul Hearts et du coup je vais avoir des mouches. Et j'aurais perdu mon Hush pour des mouches. Ah, je sais plus quand il fait en diagonale, je le déteste. Tout le monde le déteste. Saved. Moi je vais faire l'autre engin. Comme ça j'aurai les deux clés, ça sera fait. Eh mais du coup Mega Satan on oublie. Que Mega Satan je peux ni le faire de The Beast ni de The Hush. Plus j'aurai des God Room quoi. Aïe. Ça se passe mal.
Ah non, Joséphine ange gardien. C'était nul. Et 13 minutes maintenant. Après Hush, je peux aller cathédrale. Oui, mais le problème, c'est que là, Hush, j'ai 17 minutes pour y aller. Mais en vrai, on y va. Let's go. Curse of the Lost. C'est bien d'avoir le mapping. Sage. Oh non, le bug! Il est revenu! Oh là là. Ok. Ça, méga Satan est déjà fait. Ah, mais oui! Ah, oui, non, moi je voulais faire Hush Delirium. Ah, oui, donc on rush Hush. C'est juste pour les God Room, quoi. Non, mais là j'ai trouvé un shortcut. Planetarium next. Pas besoin d'objets, hein. On va avoir Godhead et Sacred Heart. Putain, mais le Curse of the Lost, franchement, c'est vache, hein. Ça, bon, tant mieux. Est-ce qu'il n'y a pas un small rock? Ouh, on y est là, non? Pas du tout. Oh non! Oh, je me suis pris un méga de 14 minutes 37. C'est mort. Oh là là, c'est tellement mort. Il faut qu'il se passe un truc, hein. Faut que le jeu arrête de me BZ. Ça y est, j'ai 33% malgré tout le You Feel Blessed de tout à l'heure, là. You Feel BZ. Ah, le marché noir, on s'en fout, non? You feel BZ. Yera. Que je fais. Très impressionnant. Heureusement que j'ai touché Secret Art. Hein. Qu'est-ce que je fais? Et pour moi, il faisait pas de rotation. Ah, je suis un génie. Je le regardais faire. Je trouvais sympathique. C'est vrai qu'il est sympathique au demeurant, ce Dark One. Après, pas de mal à une mouche. Feel emmerded. Nous on est là pour jouer Planetarium. Hein. No job in job. Hein. 16 minutes 28. Mais c'est impossible. Si, une God Room incroyable. Une Secret Room de qualité.
You feel bezad. J'ai même pas de bombe en plus pour speed derrière. Ah, il faut qu'il se passe un miracle. Encore une run pour rien. Oh vas-y, vas-y, vas-y. La flemme. Oh Bumbo. Oh Bumbo, si je le touche jamais, il s'en va. Non, ça c'est l'autre. C'est l'autre con. Il faudrait qu'il me raquette à l'infini. J'ai pas envie qu'il me raquette à l'infini, mais ça va être long. Il va me casser les couilles à l'infini. You feel BZ. Je vois rien. Je vais mourir. On voit pas où ça tombe ces trucs, c'est full RNG ou Moi ça me fait paniquer hein, je vous l'avoue hein. Oh, j'ai jamais eu peur. Attention, il va mettre un coup de boule. Bravo Zidane. Ça tombe à des endroits mais... Oh les ombres je les vois jamais. Bon il est mort. Peut-être. minutes c'est mort. Il y a un planétarium. Normal. Ah en vrai avec un truc qui ouvre toutes les portes là. Il faudrait quand même que j'ai un gros... des gros dégâts quoi en plus. Ce n'est pas le cas. Ouais, le boss est là-bas, mais bon. Ah, je vois vraiment pas comment on s'en sort, mais... Toujours rêver, hein. C'est important de rêver. Une carte en port, un malentendu. Ah, le reroll. C'est lequel celui-là? C'est Mars, c'est le pire. Reroll. Close enemies become shard plus 1 health up heals. Mais les deux sont à chier. Des bulles. Je me déteste. Envie de Canax. Il est OP mais pas avec ce que j'ai. Petite peur de mort. Ah oui, ah oh, si, oui d'accord, c'est fort. Ouais. Ok, ok. Très fort. Avec... Ça va pas m'aider à aller vite, mais c'est fort. Aïe! Perdu pour perdu. Peut-être chercher un miracle dans le shop, hein. C'est vrai que j'ai la stopwatch en plus, j'avais tout. J'avais tout pour vivre un bon moment. Et je vis un moment exécrable. Ah, y'a un gacha.
Oh putain, via la secret room, on arrivait direct au boss. Sage. Je suis tellement trop faible. Faut vraiment châter un truc de fou. Ils sont fait mal avec le charme, c'est ça? C'est du génie. Vingt-sept balles, putain, il me manque 3 balles pour que le Devil Deal soit ouf. Oh, c'est nul à chier. Ah, il est en solde, allez hop là. On n'aura plus jamais d'Angel. C'est la vie que j'ai choisie. Trop rentable. Bon. Le boss est tout en haut à gauche. C'est un cul-de-sac. Merci à tous. Good game. C'est une couillasse. Au... Mais non, mais je suis con, c'est jamais Gluttony. Enfin, c'est jamais le mini-boss. En plus, j'ai pas besoin d'HP up. En plus, je me prends des dégâts. Je teste ma life. Enfin, faire tout le tour. Oh là là. Sage. Soul of the Keeper. Pour acheter les Devil Deal à venir, bien sûr. J'aurais pu le garder pour aller dans un curse room, hein, mais bon. Après, est-ce que je tente? C'est de la perte de temps, mais on peut. On se dit qu'il peut toujours y avoir des miracles. Hein. Moi, j'aime les miracles. Ah, c'était une belle room en vrai. Hein. Une room que j'aurais pu y avoir d'ailleurs. Ok, j'aurais eu 2 objets. Potentiellement. Oui, c'est sûr, j'aurais eu 2 coffres jaunes, donc 2 objets. J'aurais pu y aller à la moula. Hein. Ensuite, juste 64, c'est fine. Pour acheter n'importe quoi. C'est sûrement en bas. C'est peu importe en fait. Okay. Bravo. Il y a une sacrifice room. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais on peut toujours jouer The Beast. Jamais hors de la question. Never out of the question. C'est maintenant que je dois prendre ma décision. Ou bien je me dis que je suis chaud et j'arrive à faire Hush. Ou bien je give up et je vais chercher la carte de TP. Elle est là, la carte de TP d'ailleurs. Nul à chier. Oh merde! Ah bah du coup c'est bon. On va faire Hush, c'est sûr. Parce que j'ai plus le choix. Je suis un génie. Génie, ça s'explique. Ça s'explique pas, ça se vit. Négatif du coup, damage. Attends, j'ai tellement peu de temps. Scarred Womb. Boss tout à droite. Évidemment. Je suis passé par le haut. Attention si c'est pas ça. J'aurais dû prendre la carte The Fool. Dans ce cas de scénario précis, mais bon, je vais sûrement y aller à la salle de Hush. Ensuite, il me faudra des clés pour faire ça. Ou de la moule. Ouais, je pense qu'on est bon là. Vas-y, le Demon Baby là. Hop là. Ouais, c'est par là. Combien de bombes? 10. Ah, ok. Mais bon, ça va le faire. J'aurais plus bombe ça hein, d'ailleurs. Maintenant que je suis à peu près sûr du chemin, mais bon. Sage. Ah là, je suis plus sûr. J'ai oublié de peigner à chaque fois. Bon, tant pis, c'est par là.
Mais j'ai aucun tir effect. Et ça m'aurait ouvert la porte du store de Hush, l'autre truc. Bon bah nique la vie. Et ça marche sur les boss aussi. Sur les boss de ce genre. Ah oui, c'est vrai que j'ai le blanket. Enfin, ça c'est Gucci ça. Ma vie fouette très bien. Ma vie pue. Pourquoi lui? Un pof call. Ah, il y a une bibliothèque. Il y a une bibliothèque, les gars. Il y a une bibliothèque, quand même. Ouais, quand même, hein. Of the Dead ou je garde le nickel? Si j'ai pas de quoi recharger le genre un item martyr ou n'importe quoi, le wooden machin, il est pas si bien que ça en vrai. Quoi que l'autre aussi, tiens. Ah, le homing. Ah, le homing, j'avoue. Offensif. Choisis la solution offensive. Oh, le cul-de-sac. Fin du rêve. Faut faire le tour par haut, j'en suis convaincu. Ouais. 27-10. Je vais en avoir besoin. Là, on va bomber, hein. Merde, mais j'avais pas eu que c'était un passage obligatoire, je suis un génie. Non, c'est bon, on a le temps. Ça, je vais en avoir besoin. Ah non, c'était pas obligatoire, mais alors, bah, du coup, je fais la room à côté, on est large là, 2 minutes, c'est imperdable. Alors, on a le temps. Ah, vraiment. On a grave le temps, quoi. Faut se permettre. Ah, ça va faire plein de petits fantômes. Il ira ici, en espérant qu'il y ait des clés dans certains coffres. Et on se garde une clé pour le shop. Oh. Je suis obligé, je pense, parce que j'ai... Bon, on va pas aller au chest, on va aller à Delirium, donc il ira, c'est là, hein.
Regarde les items. Bah non. Ah, voir les objets à côté. Item shop first. Oh, le potage. Oh, le potage. Le potage. Very nice potage. Ah, mais c'est quand qu'ils calculent les dégâts que vont faire Hush? C'est quand qu'ils calculent l'armor de Hush? Que s'ils l'ont calculé quand j'arrivais ici, le potage. Ah non, c'est en temps réel. Merde. Sur le bébé bleu, coup dur. Du coup, est-ce que je prends le potage avant ou après? Y'a pas de clef en tout cas. Hein. Pourquoi y'a pas de clé? Oh y'a une échelle de corde. Attends, le mid cleaver, ça marche sur Hush le fait de... Ouais mais c'est l'enfer. Parce que le mid cleaver c'est bien quand pour avoir des doubles drops ou rendre des boss plus faibles. Mais sur Hush ça doit être un enfer. C'est... Non, c'est un cauchemar. C'est sûr. Ah, c'est des... Ah non, merde, je croyais que c'était des bombes qui donnaient des objets. Conehead, plus sûrement. Je sais qu'il y a l'échelle de code à côté, mais... Vraiment Conehead, hein. Là, j'ai plus qu'une clé. Ok, j'en ai deux. C'est-à-dire qu'il y a un autre coffre qui donne des objets en plus. Mais ça a chié les bulles. Ah, c'est pas mon troisième objet de môme. Ça va être illisible. Attends, comment ils se dupliquent les coffres? Le coffre là en bas, c'est le double de celui qui était ici. Donc qui a des bombes mais pas de clés. Qui a des bombes et des pièces. C'est ça, hein. Oh, saved. C'est-à-dire que là, il y a un objet. Là, il y a quoi? Il y a pas de clés. Donc celui-là. Ah mais c'est exactement le même objet. Ça va spawn un trinket, mais ça a chié des bulles. Il spawn un objet, il spawn un trinket incroyable. Bon, en vrai j'ai aucun effet sur mes tiers, hein. Ça c'est bien. Et le whipworm, c'est juste... Tac, 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 tac. Ça tire beaucoup plus vite, donc plus loin. Non. Ah, c'est ça, hein. Probablement ça, hein. On se prend le potage. Un petit potage. Ouais, le show speed change plus les ranges, donc ouais. Après, c'est ça en fait. Est-ce que ça m'avantage? Si ça m'avantage aucunement pour le combat. Ah mais quand je tue des ennemis, ça extend l'effet. C'est peut-être plus efficace contre ces sbires par contre. Ah oui, j'ai les petits potes.
Le problème c'est que je sais pas esquiver Hush, mais au moins j'ai le homing, donc je peux vraiment me concentrer sur l'esquive juste. J'y crois à mort. Ça me fait peur. Oh non. Oh, ça bug. Ça bug. Pause. Je suis où? Ok. Ah ça, ça fait plaisir ça. Ça, ça met pas la pression ça. Gros plaise là-dessus. Ouais, appelle des petits potes, voilà. Ça va extend. Pour mon potage, c'est bien. Et puis ça fait des petits potes. Oh non, c'est parti, c'est parti, je sais pas. Mais quoi? Ah oui, j'avais un bouclier. Là, là, je suis bien. Non, c'est reparti pour de la merde. Je vois R. C'est bon, là, je suis bien. Attention, ça arrive à droite. Est-ce que je suis bien, là? Je crois que je suis bien. Il y a d'autres petits potes. Au secours, il y en a partout. Au secours, il y en a partout. Là, je suis bien. Il est mort ? Merci ! Ok. Bravo. Et il a même pas fait les tornades. Incroyable. Delirium. Mais j'ai le mapping en plus, sauf s'ils mettent un curse du cul. Pas de curse du cul. Bah Delirium aussi, il a de l'armor. C'est le gros débat. Est-ce que je dois... Est-ce que je dois chercher à y arriver le plus vite possible ou pas? Je viens de détruire l'anus. Peut-être bomber pour avoir des cartes. Essayer d'enchaîner pour ralentir la mort du potage. Et Magic Mushroom là. J'ai dit ça et ensuite je cherche un Magic Mushroom quand même, ça c'est beau. Hein. Là on sait pas hein. Attends. Tant que j'ai pas le 13 sur 13 de... J'ai aucune certitude là. Ah non c'est bon, à gauche c'est safe. Curse of the Tower. Le A+ qui revient parce que... Voilà. Ça fait toucher. Dans mes cœurs. Il est en bas dans la grosse salle. Bah c'est pas sûr. Attends juste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais à chaque fois j'ai mon blanket qui proc un bouclier, ça c'est trop cool hein.
Ah, par contre, les damage s'en vont là. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller en bas? Ah oui, d'accord, ça montre une grande salle. Non, mais elles sont pas toutes de la même taille. Si, si, elles sont toutes de la même taille là. Ah, sur la carte. Oh non, ils te montrent jamais des lyriums direct. C'est juste qu'en effet, celle du bas est isolée, mais ça veut rien dire. Ensuite, le fait qu'elle soit isolée rajoute des chances, mais ça se trouve, il y a un setup où. Oh, deux secondes. Énorme. Il peut être là, hein. Ah non, c'est 13, ça sort du 13, donc non, c'est bon. Ah ça y est, je suis revenu à mon dégât de base. En vrai, je peux clean maintenant. Oh, c'est bien ça. Je vais chercher des solutions, quoi. Et là, on est peur d'avoir lâché le nickel. Oui, bah, il va y avoir des pièces dans le stage. De toute façon, non, moi, il me fallait des pièces en revenge. Contre Delirium, le fait d'avoir le nickel, bon... Le Osef est absolu. Oh, soit l'autre Penny. Soit l'autre Penny, bruh. Oh. Sage. Ça aurait été incroyable, ça. Avec l'item batterie, j'aurais pu spam. Oui, ouais. Ah oui, oui, parce que oui, d'accord, oui. Parce que j'ai eu la batterie rose, oui, oui. Oui, la wooden, wooden coin, oui, on est d'accord. Ça aurait été insane. C'était prévisible. Petite échelle de corde là. Grâce à notre starter chien. Ça plaise. Starter chien. The Sun, ça soigne. Ça soigne The Sun, les cœurs. Penny. Ah. Cool! Tiens, un petit Money Equal Power nous aurait fait plaisir. Hein. Pas de chien. Des petits vases là. Qui soit l'autre Penny. Ah.
Moi. Ah, le vase. L'unique, le seul. Ça aurait été rigolo d'avoir et Blanquette et ça. Pourquoi je focus les vases? Parce que dans les vases, il peut y avoir le Swallow de Penny, qui est un trinket qui fait qu'on a une chance de dropper une pièce quand on se fait toucher. Et donc avec ce personnage-là, c'est extraordinaire, bien sûr. Oh! Money Equal Power là. Un petit une petite pierre là, un petit small rock. Sage. J'ai oublié. Ah oui, A+, j'aurais pu farmer avec A+. Ça aurait changé les vases aussi? Ça joue sur tous les drops? Wooden Cross, ça s'accumule. Mais Wooden Cross, ça marche à partir de l'étage suivant, non? Ah, c'est les drops de fin de salle seulement. Ok. Wooden Cross, ça combine dès que tu le prends? Ça va combiner avec Blanquette, vous pensez? Ah, c'est énorme. J'étais en train de dire, peut-être que je vais le laisser dans la pièce là-bas et aller le rechercher avant Delirium. Évidemment, le temps de penser à dire ça, je suis allé dans le pic. Mais c'est une bonne info, hein. Sage, hein, quand même. Ça aurait été bien d'avoir cette protec en plus. Bon, soit. Il y a des small rocks, là. C'est rien du tout, hein. Parce que je vois que celui-là, il est plus clair. Non, mais l'autre aussi est plus clair. Parce qu'il y a les super small rocks et les machins, les trucs, là. J'avoue qu'un petit small rock là, je cracherais pas dessus. Hein. Le chien il hurle aussi pour les small rocks. Je me souviens plus. Non, il gueule pour les échelles de cordes hein, et les secrets, mais j'ai bien. Non, il gueule pas pour les tinted rocks. Très sympathique en tout cas cette optimisation de la Wooden Cross. J'espère que vous avez apprécié. Vraiment du gaming de haute volée ici, hein. Il reste plus grand chose. Ensuite, on pourrait farmer ses crânes. Ensuite, The Sun est une bonne carte. Ensuite, si on trouve un Alguise, c'est bien aussi, hein, mais... Mais je trouverai jamais un maître. Pas trouvé le magic, mais. Ensuite, la rapidité, c'est bien, mais à un moment, ça commence à être trop. Deux vases ici. Allez, on grid. Jusqu'au bout, là, on racle. On racle tout ce qu'on peut racler. C'est beau de le trouver, hein, le Swallow de Penny quand même.
Bon, ah, s'il reste une salle. On peut reconnaître les champis où il y a les embrouilles? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Bon, faut y aller, hein. Ah mais tiens. Superbe. On avait un là. J'ai 4 bombes, je peux encore racler les fonds de tiroir. Hey go. Il y a les vases dans la salle de délirium. Bah Sage. C'est lui qui s'en chargera. Attention, oh là, je sens qu'il va bugger là. Il attend. Il attend le début du fight pour bugger, c'est sûr. Ah, dommage que ça me fasse pas du stat sub de le réutiliser, hein, parce que je peux le réutiliser visiblement. À l'infini. Oh, là, doucement. Alors pour l'achievement d'avoir 3 fois des homing, mais. Quoi, y'a un pied qui arrive là, ouais. Y'a pas eu le bug là, le bug en Larry, qu'on aime tous au village. Conehead. Ok. Ez. Holy Mental qui est parti. Bravo. Ouf. Boui. Merci. Oui, Didit. J'ai l'impression qu'il est quand même moins dégueulasse qu'avant. Quoique, il y a quand même un ennemi qui a spawné sur ma gueule, hein. Le Crooked Penny. Ah oui, mais je l'avais ça dans l'ancien. C'est le vieux Penny plié, là. C'était de la merde, non? Je sais plus. Ok. Incroyable.
c'était bien ou c'était de la merde? C'est de la merde, hein, il me semble bien. 50% de chance de doubler les items. Ah oui, c'est un 5 qui tout double. Je suis fatigué. Je vais faire un café, tiens. Pause café. Putain, pause café. Oh, j'ai eu des souvenirs. C'était un truc de boomer avec Véronique Jeannot. Est-ce que des gens ici se souviennent de pause café? Très dur, hein. Très dur si vous avez moins de 35-40 ans. Ok. Ah putain, ça se souvient, hein. Alright. Énorme. Quoi qu'il en soit. Merci Highlander, Coco29, Lord, Yak, Halloween. Putain, mais oh là là! Demain, c'est Game of Thrones politique. J'ai la pression. J'ai pas préparé, je me dis que ça va être un drame. J'ai mon nom de candidat et mon nom de parti. Et j'avoue que, comme d'habitude, ça m'est venu en deux secondes. Et ça va vous plaire. Le problème, c'est comment RP. Le parti politique que je vais jouer, avec le blast que j'ai donné au mec, et le nom du parti que j'ai donné au parti. Là, ça va être... Ça va être lunaire. Non, parce que si j'avais joué la droite républicaine ou la droite chrétienne, moi j'avais mon nom de candidat, c'était Christian Bouton. Mais là c'est pas le cas. Bon. It's ok. Ah mais mon slogan il est incroyable. J'ai trouvé mon slogan en deux secondes. Il y a un jeu de mots dedans. Incroyable. Il y a une anaphore. Il y a des anaphores. Bien sûr, parce que j'ai lu la moitié du bouquin de Clément là, Viktorovitch. Passionnant, mais il faut s'accrocher, hein. C'est parce que c'est pas un récit début, intrigue, fin. C'est vraiment un manuel où tu t'engranges de l'info, et puis au moment où tu dis que tu vas respirer un peu, non, tu continues à emmagasiner de l'info. Et c'est archi intéressant. Notamment pour décrypter les embrouilles des discours politiques et les manières de faire dans les débats. Mais on s'accroche, quoi. Allez, on s'accroche. Ok. Quel livre? Le livre de Clément Viktorovitch. Le pouvoir rhétorique, c'est ça, hein. Je me suis bouffé plus de la moitié pendant les vacances. Bon, pause caf, on avait dit, hein. J'ai deux tensions, là. Merci à toutes et tous. Retrouvons-nous dans quelques minutes. Retrouvons-nous. Allez. Je lis souvent. Non, pas assez. J'adore lire, mais je m'y mets pas. Au lieu de ça, je joue à des jeux vidéo pour devenir millionnaire comme Gotaga. À chacun sa croix et sa bannière, comme j'ai envie de dire. Bon. À tout de suite.